Appelez-moi Rafale. D'après ce que Deacon m'a raconté sur vos prouesses au combat, ça vous va comme un gant. Votre premier ordre officiel est d'apporter le prototype au docteur Carrington et de lui demander s'il a besoin d'autre chose. Mais d'abord, je vais vous présenter le reste de la famille. L'emplacement de notre QG est l'un de nos secrets les mieux gardés. Quand vous entrez ou que vous sortez, vérifiez bien que personne ne vous surveille. Mais c'est un endroit sûr, et on a pris des précautions pour éviter une autre attaque surprise. C'est un peu chaotique en ce moment, donc vous ne risquez pas de vous ennuyer. Écoutez-moi tous. Je vous présente Rafale. C'est lui qui s'est chargé de la mission du Standard avec Deacon. Et dorénavant, c'est un agent à part entière. Je compte sur vous tous pour l'aider à prendre ses marques. Vous pouvez l'accueillir à bras ouverts. Ça sera tout. Vous n'avez pas choisi la voie de la facilité. Mais on est avec vous. On a un paquet de synthétiques en jeu en ce moment. Ça complique les choses. Quand on fait sortir des synthétiques du Commonwealth, les habitants des terres désolées peuvent être encore plus dangereux que l'Institut. Quand vous êtes là-haut, partez du principe qu'on vous observe en permanence. Salut. Hé, la recrue. Moi, c'est Tam Tam. C'est moi qui ai hérité du job de rêve de m'occuper des lettres mortes et des nouveaux agents qui débarquent. J'imagine que vous voulez pas échanger avec moi. C'est si terrible comme boulot? Au réseau du rail, les coursiers sont tout en bas de la chaîne alimentaire, juste un poil au-dessus des touristes en tongs. Être le coursier du QG est quand même un cran au-dessus du boulot de terrain, j'imagine. Bon, il faut bien que quelqu'un s'y colle. On se reverra, vous et moi, très souvent. Je suis contente que vous ayez signé. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me reposer de temps en temps. Excusez-moi. Salut, vous êtes le nouveau poids lourd? Rafale, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un poids lourd, quelqu'un qui peut encaisser toute la merde que l'Institut et le Commonwealth lui balancent à la tronche et qui en redemande. Pareil que le Standard grouillé de salopards, avec des mines et tout. C'est vrai tout ça ou c'est encore Deacon qui se foutait de ma gueule? À peu près, oui. C'est un truc de malade. Comment vous avez réussi le coup de l'ancien QG? Pitié, me dites pas que vous vous êtes infiltré façon ninja avec Deacon et que vous êtes ressorti comme si de rien n'était. J'ai passé l'âge. On a trouvé des failles dans leur système de défense et on les a exploitées. C'est une façon de faire comme une autre, j'imagine. En tout cas, bienvenue dans notre petite sauterie. Après ce qui est arrivé à Tommy Whispers, on a besoin de quelqu'un qui fait le boulot et qui a pas peur de rendre les coups. Qui est Tommy Whispers? Tommy était le deuxième poids lourd du QG. Il est tombé au combat quand ces enfoirés de l'Institut ont attaqué le Standard. Depuis qu'il est plus là, j'enchaîne les missions non-stop. Alors je suis foutrement contente que vous soyez là. Il m'appelle Glory, l'ange de la mort. La sainte patronne armée jusqu'aux dents des synthétiques libérés. Ça fait un peu long sur une carte de visite. Vous pouvez m'appeler Madame Ange de la mort, c'est plus court. Je vous aime bien, alors je vais vous donner un conseil. Faites de la lèche à Tom la bricole. Il est complètement dingo, mais c'est lui qui a tout le matos intéressant. Ça me paraît bien comme plan. Et comment? Prenez soin de vous, ok? Faut faire gaffe, camarade! L'Institut est partout. Pardon. Le détecteur dit que vous êtes clean. Génial! On n'a pas de mouchard. Détecteur? J'ai passé un scanner. Je fais uniquement ce que Dez me donne le droit de faire. Scanner électromagnétique, renifleur biologique et autres sécurités de pointe. Donc les tests disent que l'Institut ne vous surveille pas. Mais ils mentent! Bon. Vous avez mangé quelque chose là-bas? Si c'est le cas, c'est plié. Ils ont gagné. Vous êtes vraiment en train de me demander si je mange de la nourriture? La nourriture qu'on trouve dehors est dangereuse. Elle est contaminée. C'est pour ça que je fais pousser ma bouffe. Eau purifiée.
nutriments locaux. Je sais parfaitement d'où vient tout ce qui rentre dans mon corps et tout ce qui en sort. Voilà, c'est comme ça qu'on est vraiment à l'abri. L'Institut met des petits robots microscopiques dans la bouffe. C'est comme ça qu'il traque les gens. Tom, c'est des bêtises. Tu comprends pas, Carrington ? L'Institut est dans ton sang. Dans mon sang ? Bien sûr que non, Tom. Nous avons fait et refait des tests encore et encore. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Tout l'attirail habituel. Et ça vous inquiète pas ? Les résultats étaient trop parfaits, trop prévisibles. C'est comme ça qu'ils finissent par nous avoir. Il n'y a aucune preuve. Si on devait attendre des preuves de chaque expérience débile de l'Institut, on serait tous dans la tombe à l'heure qu'il est. Ok, ok. Si vous voulez vraiment leur échapper, laissez-moi vous injecter ça, pour être sûr. Dez, Desdemona, a dit que personne n'était obligé de le faire. Mais ça tuera les petits robots. Je parie que cette seringue contient de l'acide sulfurique. On fait pas une omelette radioactive sans irradier des œufs. Alors, j'envoie la sauce ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue ? Il y a des algues, de succulentes cultures bactériologiques et juste une toute petite pointe d'acide sulfurique. Pas le choix, faut bien les cramer ces petits monstres. C'est comme une réinitialisation forcée de votre système. Jamais de la vie. Ne vous approchez pas de moi avec cette seringue. Ok. Vous avez qu'à les laisser voir et entendre tout ce qu'ils veulent. Ok, ok. Je vous laisse. Vous et vos petits mouchards de l'Institut qui affichent toute votre vie sur les terminaux de l'ennemi. En fait, je m'expose régulièrement aux radiations pour tuer les robots. Dans mon sang. Bien vu ça, camarade. Bien joué. Vaut mieux perdre ses cheveux que de laisser l'Institut nous surveiller, pas vrai ? Vous me comprenez. Je fabrique des trucs, moi, ici. Allez faire vos trucs, là, je sais pas quoi, et revenez me voir. Je vous trouverai quelque chose. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Tous les super joujoux que vous utilisez sur le terrain, c'est moi et mes gars qui les fabriquons. On est des génies, camarade. Faut être sacrément créatif pour tenir tête à ces foutus prix Nobel de l'Institut. Je vous parle même pas de tous les projets secrets qu'ils ont là-bas. Bon, j'ai un paquet d'idées qui me trottent dans le crâne. Faut que je me mette au boulot. Pouvez-vous m'accorder un instant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous dois énormément et je ne voudrais pas avoir l'air d'une ingrate. Mais j'ai l'impression de perdre pied. Tu vas bien ? Je ne suis pas sûre. Devenir une synthétique est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Au début, c'était un combat quotidien pour maîtriser les fonctions les plus basiques. Me brosser les dents, manipuler des objets avec seulement deux bras, etc. Mais maintenant, mon cerveau est toujours encombré de mille pensées décousues, d'émotions. Comment arrivez-vous à fonctionner dans ce brouhaha constant ? Il faut se fixer des priorités et se concentrer sur les tâches les plus urgentes. C'est un conseil utile. Quand je vous regarde, ça a l'air aussi facile qu'ouvrir la bouche pour respirer. Mais moi, ça m'empêche de me concentrer sur autre chose, sur mes recherches. J'ai beaucoup de mal à trouver l'inspiration. J'ai peur de ne jamais rien découvrir d'utile pour l'humanité. La recherche n'est pas le seul moyen d'aider le Commonwealth. Vous avez peut-être raison. Nous avons fait de grandes choses ensemble. Vous êtes le phare qui me guide dans la tourmente. En tant que robot, je vous appréciais beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est plus profond. Ma loyauté est la même. Mais maintenant, je vous suis parce que j'en ai envie. Parce que vous comptez pour moi. Toi aussi, tu comptes pour moi, Curie. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais ces mots font naître quelque chose en moi. Je dois vous laisser. Mes yeux souffrent d'un dysfonctionnement inexpliqué. Au revoir. Merci d'avoir ramené ce synthétique. C'était du bon boulot. Les ghouls nous ont déjà détruit plusieurs synthétiques.
Quand on les a retrouvés, disons qu'il n'en restait pas grand-chose. Ces ghouls sauvages ne vous poseront plus de problèmes. Formidable. Et vous avez encore l'air en pleine forme. C'est incroyable. Père m'a dit que vous étiez soldat. Un soldat d'élite, manifestement. Dommage que mon ancien officier de section ne soit pas là pour entendre ça. Qui sait ? Peut-être qu'il a été transformé en ghoul et qu'il est toujours de ce monde. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir renvoyer notre équipe de récupération à la surface. Évidemment, il y a des ghouls sauvages dans tout le Commonwealth. Dans ces conditions, j'imagine qu'on aura de nouveau affaire à elle un jour ou l'autre. Non, mais je compte pas y si aller. Si ça vous dit de repartir en mission d'extermination, revenez me voir. J'aurai sans doute encore besoin de votre aide. Je compte pas faire ça 50 fois. Les quêtes rando mal à con, là. Merci bien. C'est juste pour l'XP parce que pour voir une fois après, c'est bon. Bien, bonjour à tous, c'est MatsuliTinek44 et aujourd'hui on se retrouve pour mon 49e épisode de l'Odyssée Fallout 4. Alors essayons de trouver mes quartiers sans me planter, c'est à gauche je crois. On va essayer de les trouver du premier coup, parce qu'à chaque fois je les cherche partout. J'ai bien regardé, il me semble que c'est entre le BRS et la division robotique. Donc, Elliot Ness est désormais un agent du réseau du rail à part entière. Wouh, je les ai trouvés du premier coup. Et ça mérite de sabrer le champagne. D'habitude, je perds des plombes à les trouver. C'est pourtant pas compliqué. J'ai regardé ça récemment pour arrêter de me tromper là et de faire le tour de la rotonde à chaque fois. C'est entre la division de robotique, voilà, comme je le disais. Et le BRS, pas la peine de chercher. C'est vrai qu'on a tendance à se paumer un petit peu dans cette espèce de bâtiment en forme d'hélix, ou je sais, enfin non, c'est pas une hélix, mais c'est une rotonde à plusieurs niveaux, quoi. C'est quand vous cherchez un étage et une pièce particulière, que vous n'avez pas de marqueur, c'est un petit peu lourd. Oui, je disais donc qu'Eliot Ness est devenu un agent à part entière du réseau du rail, et en attendant de gagner leur confiance, eh bien, il exécute des petits boulots pour eux, et il continue à travailler pour l'Institut. Il va être vraiment un atout pour le réseau du rail, parce que le réseau du rail va maintenant avoir un agent qui peut aller et venir au sein même de l'Institut, comme il le souhaite, quand il le souhaite, et bah, évidemment ça va être vachement pratique pour eux, comme vous pourrez le voir par la suite. Le scénario va s'accélérer un petit peu dans les épisodes, dans les prochains épisodes, hein. L'épisode 50 et 51. Il est où mon brassard? Il est là. Est-ce que j'ai mis le plastron? Je sais plus. Non, j'ai pas mis le plastron. Voilà, je remets mes vêtements de cuir parce qu'on va sortir. Voilà, le réseau du rail va être obligé un petit peu de faire confiance à Elliot et de mettre ses plans en marche plus rapidement que prévu et qu'il n'est raisonnable de le faire parce que bah, l'Institut va bientôt passer à sa fameuse phase 3 dont on reparlera également. Et quant à la confrérie, elle a bientôt fini Liberty Prime depuis le temps, donc il va falloir que le réseau du rail se décide à agir. D'ailleurs, on va rejoindre le réseau du rail parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite quête secondaire en attendant de reprendre la quête principale dans le prochain épisode. On va se téléporter directement au QG de la confrérie. Du réseau du rail, pardon. Voilà. Confrérie qui pense toujours que je bosse pour elle, hein, bien sûr. J'essaye de faire traîner un petit peu les choses avant qu'elle ne veuille attaquer l'Institut. Mais on ne devrait pas tarder à la trahir, évidemment, hein. Depuis ce qui s'est passé avec Dance et Virgil, je suis un petit peu en froid avec eux, sans qu'ils le sachent, mais moi, je veux plus bosser avec eux. Tom Labricole, vous cherchez? Ouais, bah, des stress, Tam Tam, je viens d'arriver, hein. Salut tout le monde, ça bosse dur? Voilà. Non, j'ai pas l'impression. Fais attention avec Lina. D'accord? Quoi? Pourquoi, Tom? Je t'ai mis des munitions spéciales, un truc costaud. On travaille dessus depuis un moment avec les gars. C'est compact, mais ultra puissant. Ça va pas me péter à la gueule au moins. Contente que vous ayez signé. Non. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me reposer de temps en temps. Je fais des calculs normalement, mais bon. Merde. Oh, quelque chose de cassé. J'adore. Terry? Bah, pas c'est Terry. Ouais.
trop de nitroglycérine. Va falloir s'en mettre au boulot. C'est qui, Terry ? C'est le mec, là, ou c'est la pancarte ? Le fusil qu'il avait dans les mains, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le fusil, je sais plus comment. Ça balance des clous, on l'aura par la suite. Mais je savais pas qu'il fonctionnait à la nitro, c'est un petit peu qui coulole ça. Fusil qui fonctionne à la nitro, quoi. Il aurait pu nous creuser une autre galerie ou lui arracher le bras. C'est un tas à risque, là. Dez m'a donné l'autorisation d'installer mes capteurs atmosphériques. Je vais enfin pouvoir prouver que l'Institut est en train de terraformer le Commonwealth. Dans les dents, Carrington. Pourquoi est-ce que l'Institut voudrait terraformer le Commonwealth ? Ça remonte à la Grande Guerre. Qui a lancé la première bombe atomique ? L'Institut, bien sûr. C'est lui qui a déclenché la guerre pour tuer tout le monde, sauf ses savants diaboliques. Ça a un rapport avec la terraformation du Commonwealth ? Carrément ! L'humanité a survécu, contrairement au plan de l'Institut. On continue de s'accrocher. Alors, d'abord, ils envoient des gens artificiels pour espionner et récupérer tout le matos dont ils ont besoin. Et quand ils ont tout ce qu'il faut, boum ! Le grand convertisseur atmosphérique de Blake Tower crachera son poison dans la stratosphère et nous tuera tous jusqu'au dernier. Ouais, c'est vraiment super, Tom. J'ai dit à Dez que je pouvais compter sur... C'est foutage de gueule. Donc, mon capteur, que j'ai baptisé Mila, doit être placé en hauteur. Et Dez m'a obligé à y ajouter des caméras et d'autres bidules de surveillance moisies pour observer le chemin de la liberté. Balancez ces merdes si ça vous chante. Comme si... Vous savez qui pouvait pas tromper une caméra conventionnelle. Je prendrai soin de Mila. Elle a des tas de composants fragiles. Alors, faut faire preuve de douceur avec elle, ok ? J'ai trouvé l'endroit idéal. Installez Mila et les données vont affluer. Ça va être le pied. Ouais, Tom Labricole, il est un peu taré. C'est un gros fan de la théorie de la conspiration. Mais... C'est un personnage que j'aime bien, il est rigolo. Bon, par contre, là, la quête avec Mila, je vous la ferai pas parce que c'est une quête random à la con qui est pas très intéressante. Alors, pourquoi je suis revenu ici ? Ah oui, aujourd'hui, ce que je veux vous faire, c'est une quête secondaire en rapport avec les synthétiques. Donc, qui pourrait avoir un rapport avec l'Institut et le réseau du rail. Et ça pourrait être sympa de la faire. Mais je voulais prendre Deacon, c'est lui que je suis venu chercher parce que j'avais envie de faire cette quête avec lui. Jusqu'ici j'avais Curry, un bon Curry qui j'ai remarqué un truc un petit peu étrange en fait. C'est quand un personnage vous suit, vous avez remarqué que on peut pas emmener un acolyte à l'Institut. Le seul qu'on peut emmener, c'est X688, le chasseur, celui qui ressemble un peu à Wesley Snipes là. Et les autres, vous pouvez pas les emmener à l'Institut. Quand vous vous téléportez à l'Institut, ils restent à l'extérieur. Et quand vous vous re-téléportez ailleurs et que vous réatterrissez dans un autre lieu, et bah l'acolyte que vous aviez avec vous, en fait, il réapparaît juste à côté de vous à ce moment-là, comme si lui aussi s'était téléporté à côté de vous. Enfin bref, c'est un petit peu con-con, mais c'est pas... Plus qu'une heure avant la fin de mon quart. C'est pas bien grave. Par contre, il y a un truc auquel j'ai pensé et auquel j'avais jamais fait attention, et qui est pas traité d'un point de vue scénaristique, c'est dommage. En fait, quand vous vous téléportez, j'ai une espèce de petite puce dans mon Pip-Boy qui me permet de me téléporter. Et à part nous, les synthétiques n'ont personne. Je me demande si l'Institut, en fait, peut... Ah tiens, une BD, je l'avais pas prise. Parfait. Sympa ce gorille. When apes go bananas. C'est con. A gorilla ate my patrol car. C'est quoi ? Permet d'affliger 5% de dégâts supplémentaires avec le cri ou la tort. Oh putain, c'est excellent ! Elle est vraiment unique celle-là. 5 dégâts supplémentaires avec le cri ou la tort. Énorme ! J'aime bien Cognac. Je me demande ce que ce barbare J'espère vraiment que l'Institut ne trouvera jamais ici. Ouais. En tout cas pas avant un moment. C'est fini la cacophonie là. 5 personnages qui me causent en même Tom temps. Tom Labricole prépare quelque chose. Parce que j'ai trouvé une BD quoi. J'espère que ça finira mieux. Oui, je me disais, j'espère que l'Institut n'est pas capable de savoir où je me téléporte sans arrêt parce que sinon évidemment ma couverture serait directement grillée. Qu'est-ce qu'il y a ?
Pardon. Vous voulez que je revienne ? Je dois bien admettre que c'est drôlement calme, sans vous. Allons-y. Je suis prêt. Ne lui attirez pas d'ennuis, monsieur Deacon. Moi ? M'attirer des ennuis ? Je suis la définition même de l'innocence. On va juste passer la journée à jouer au Rami. Rami. J'adore. Deacon, il est excellent. Vous allez voir, sa répartie est juste excellentissime. Il est super bien écrit, ce personnage. Enfin, comme tous les acolytes, il n'est pas du tout approfondi, mais ses lignes de dialogue sont succulentes, je trouve. Quelque chose à me dire ? Un avis sur la situation ? Un jour, je me suis fait mettre une tête de fille pendant plusieurs mois. Vous auriez vu leur tronche à tous au QG. C'est tout ce que j'avais à dire. Un jour, le réseau sera cuit. Franchement, j'ai bien cru que c'était déjà le cas avec le standard. Depuis, j'ai la sensation qu'on est juste en sursis. Alors là, ceux-là, j'ai aucune idée de ce qu'ils foutent ici. Vous voyez ? Juste devant le petit village où on se rend, Covenant, il y a deux soldats de la confrérie et je ne sais absolument pas ce qu'ils foutent là. C'est un mystère. Il n'y a aucune explication, ils restent devant la porte. Et alors, bon, ils vont rien me dire, hein, mais d'un point de vue narratif, dans la petite histoire que je me suis inventée, je suis pas censé être ici déguisé en facteur avec... avec, comment dire... je croyais que je l'avais rangé, ce putain de fusil. Voilà. Je suis pas censé être ici avec... avec Deacon, pardon. Et normalement, comme je suis devenu le paladin qui a remplacé Dance, ils sont censés pouvoir me reconnaître. Enfin, ils connaissent ma gueule, quoi. Je suis le mec qui est allé à l'institut et tout pour la confrérie, qui est allé chercher les bombes pour Liberty Prime et tout. Je commence à être connu dans la confrérie, donc ça la fout un peu mal. Ça, le jeu, on tient absolument pas compte. Mais moi,
Voilà. J'essaye de me dire que ça le fait pas trop de passer devant eux. Et pourtant, c'est là qu'il faut qu'on aille. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déguiser. Je suis déjà déguisé en facteur. Je vais me mettre la tête de mascotte pour pas qu'il voit ma gueule. Mais vous allez voir qu'il y a une chance sur deux pour qu'en passant à côté d'eux, ils me sortent une réplique comme quoi ils m'ont reconnu, quoi. Vous allez le voir, hein. C'est ça qui est complètement con. Et que j'aimerais qu'ils changent à l'avenir dans ce genre de jeu. J'aimerais que le jeu nous reconnaisse pas automatiquement, quoi. Qu'en fonction de nos vêtements, on puisse passer inaperçu au milieu d'autres personnages. Que le jeu nous localise pas automatiquement en tant que joueur, quoi, comme le héros du jeu. Je trouve ça un peu con, quoi. On va baisser nos armes parce qu'avec ma tenue de facteur, avoir un fusil à lunettes silencieux et tout, vision nocturne, ça le fait moyen. Donc on est venu ici pour retrouver la caravane disparue du vieux Stockton. Qui, s'il s'agit du même Stockton auquel je pense, est un membre du réseau du rail. Il y a un autre mec qui déjà enquête sur sa disparition. On va le rencontrer un peu plus tard. Vous venez visiter Covenant ? Sinon, circulez. Les gens armés qui rôdent dans les parages, c'est pas bon pour les nerfs. Covenant ? C'est le nom de cet endroit ? Ouais, on est en plein développement. Il y a un paquet de marchands qui font étape ici. Pas très grand, mais on a des affaires en or. On a un toubib qui peut vous rafistoler. On a même de la limonade. Enfin, c'est comme ça que Deezer l'appelle. Par contre, il y a juste une petite formalité. On laisse pas entrer tout le monde. Il y a un test à passer d'abord, le test sécurité. Obligatoire pour tout le monde. Le mec là se demande pas du tout pourquoi j'ai une tête d'ourson. On n'est jamais trop prudent. Ouais, faut ce qu'il faut. Vous voulez passer le test ? Si vous réussissez, je vous laisse rentrer. Alors, soyez bien attentifs à ce test, parce qu'il est important pour la suite de l'histoire. D'accord. Bien, asseyez-vous, et on pourra commencer. Hé ! Dites-moi ce que vous voulez. Par ici. Je m'en charge. Attendez là. Absolument. Et mon enthousiasme n'a strictement rien à voir avec l'envie de faire une pause pour m'en griller une. Bon, c'est parti. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Un scientifique à l'air dérangé vous aborde en hurlant. Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. Quelle est votre réaction ? Alors là, je vais mettre sur pause un instant. Excusez-moi, ça coupe l'action, mais... si vous connaissez bien Fallout 3, vous allez reconnaître le fameux test du coat qu'on passe au début de Fallout 3, et j'ai trouvé vraiment ce clin d'œil génial la première fois que je l'ai fait. Je saisirai un tuyau et je l'assommerai. Un tuyau, vous dites. Question suivante. Vous travaillez comme interne à la clinique quand un patient souffrant d'une étrange infection au pied arrive en boitant. L'infection se propage à une vitesse alarmante, mais le médecin en titre s'est absenté. Que faites-vous ? Je lui ampute le pied avant que l'infection se propage. L'amputation. Question suivante. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans une grotte. Il a faim et il est effrayé. Mais il semble également être en possession d'objets volés. Que faites-vous ? En plus, c'est un test dont les questions n'ont aucun intérêt, quoi. J'emmène le garçon en lieu sûr, et je le confie à un adulte responsable. Très... curieux. Félicitations ! Vous venez d'intégrer une équipe de baseball. Quoi, c'est curieux. Quel poste souhaitez-vous occuper ? Batteur désigné. Ah ouais ? C'est ce que vous préférez ? Bref, question suivante. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. À votre grande surprise... elle vous tend un pistolet et vous demande de tuer quelqu'un. Que faites-vous ? Je lui demande une mitrailleuse pour faire le boulot correctement. C'est pas le moment de rigoler. Ou c'était sérieux ? Question suivante. Le vieux monsieur Abernathy s'est encore enfermé chez lui et on vous a demandé de le faire sortir de là. Comment procédez-vous ? Je force la serrure avec une épingle à cheveux. C'est tout ce que vous feriez ? Rien d'autre ? Non, pas la peine de répondre. Question suivante. Oh non ! Suite à une exposition prolongée aux radiations, une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement ? Il n'y a qu'un seul traitement. Je prends un pistolet et je me fais sauter la cervelle. Absence totale de...
Un voisin possède un exemplaire du premier numéro de la BD Grognac le Barbare. Vous le voulez. Comment vous y prenez-vous? Je lui échange contre un autre numéro de ma collection. C'est presque fini. Dernière question. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle pendant qu'il a le dos tourné et... Je mets un pétard dans ses toilettes. Ça marche à chaque fois. Test terminé. Personne n'a jamais répondu comme ça, mais bon. Vous avez réussi. Je vais vous ouvrir. Covenant, ça a l'air plutôt pas mal pour une nouvelle localité. Ça faisait un moment que je voulais y faire un tour. Vas-y, vas-y, hein. Faut pas que je t'empêche d'ouvrir. Ou alors il posait son bloc-notes, peut-être. J'ai pas bien vu. Et j'ai l'impression que les mouvements sont plus fluides qu'avant. Je sais pas si c'est un rapport avec ma nouvelle télé, mais... Bienvenue à Covenant. Pourtant, le jeu lag toujours autant. Allez-y. En général, les visiteurs s'arrêtent d'abord à la boutique de Penny. Venez ici. Bien sûr. Attention. Quoi de neuf ? Voilà. Bon, là, j'ai de la chance. Je suis pas passé trop près des soldats de la confrérie, donc ils m'ont rien dit. On va lever notre tête de mascotte maintenant qu'on est à l'intérieur, parce que... Ça fait un peu chelou. Voilà. On a de la chance, il y a un beau soleil, c'est le lever du matin, c'est pile poil le moment de la journée où je voulais arriver. Donc, on va retrouver le gars avec qui on va travailler et qui est déjà là à la recherche de la caravane. On n'est pas censé bosser avec lui normalement, mais il a déjà été engagé par Stockton. Ça fait plaisir de voir une nouvelle tête dans le coin. Bien le bonjour. Je m'appelle Jacob. Et c'est moi qui dirige cette ville. Heureux que vous ayez réussi. Les pixels, là. Nos portes sont toujours ouvertes aux gens de qualité. Vous pouvez dormir dans l'un des lits de la chambre d'hôte. Et je vous conseille la boutique de Penny. Merci de votre hospitalité. Avec les gens comme vous, c'est un plaisir. Sinon, je vous conseille de rester à l'écart de Monsieur Dan. J'ai reçu des plaintes à son sujet. Qui est ce Dan ? C'est un mercenaire. Un métier peu recommandable, si vous voulez mon avis. Je vous souhaite un agréable séjour. Il y a les mecs qui font les jardins dans la rue là, qui sont arrivés. J'espère que vous n'entendrez pas trop leur débroussailleuse sur la capture de son. Bref. Oui, Dan, ça va être le mec avec lequel on va travailler. La caravane est passée par ici il y a quelques jours. C'est le vieux Stockton qui l'a affrété. Vous l'avez vu, non ? Je vous l'ai déjà dit. Je me souviens pas. Il y a beaucoup de monde qui passe par ici. C'est pas Diamond City, ici. Quand une caravane de 5 personnes passe dans le coin, ça se remarque. Donc c'est qu'ils sont pas passés par là. Dites, vous voulez pas plutôt une limonade ? Je suis pas là pour boire une limonade. Je sais de sources sûres qui sont venues ici. Pourquoi vous me mentez ? J'aimerais bien vous aider, mais je me souviens vraiment de rien. Croyez-moi, j'aurai le fin mot de l'histoire. Vous êtes du coin ? J'espère que non. J'en ai ras-le-bol de ces pecnos. Non, je suis juste de passage. Si je peux vous donner un petit conseil, ne vous arrêtez pas. Vous avez entendu parler de la caravane de Stockton ? Une caravane ? Le commerce, c'est pas vraiment mon rayon. C'est pas une caravane marchande. Le vieux Stockton m'a engagé pour retrouver sa caravane perdue. Ce qu'il en reste se trouve juste en dehors de la ville. Elle a fait étape ici, juste avant. Alors j'essaie de rassembler les pièces du puzzle. Mais tout le monde me fait tourner en rond. J'ai une proposition à vous faire. Aidez-moi à retrouver les gens de Stockton et on partagera la récompense. Il y a au moins un survivant. Et j'ai bien l'intention de remplir ma part du contrat. Qui est-ce qu'on cherche ? On se concentre sur la fille de Stockton, Amelia. J'ai pas trouvé de cadavre de femme, donc il reste de l'espoir. Si on la trouve, Stockton nous couvrira de capsules. Ouais, j'ai l'impression que... Ça me paraît équitable, c'est d'accord. Voilà tout ce que je sais sur la caravane. Ah, j'ai aucune preuve, mais je pense que Covenant est dans le coup. Et je vais continuer à fouiner. Faites-moi signe si vous trouvez quoi que ce soit. J'ai une nouvelle télé 4K et j'ai plusieurs sentiments. C'est que d'un, je trouve certains mouvements plus fluides. Alors, ça n'a aucun sens, hein, la télé n'est pas censée rendre le jeu plus fluide.
De toute façon, j'ai vu qu'il laguait toujours autant. Mais les mouvements, je trouve, sont plus fluides. Par contre, il y a des effets bizarres. Vous voyez, là, la tête de mon personnage, je sais pas si c'est à cause de l'effet de lumière, on dirait qu'elle est toute pixelisée. Ça, c'est étrange. Et parfois, par contre, en gros plan, sur certains personnages, j'ai l'impression que certaines textures sont un peu plus nettes. Je sais pas s'il y a un effet d'upscaling ou quoi qui améliore certaines choses et qui en dégrade d'autres. Peut-être. Bref. Donc, nous sommes à la recherche de la fille de Stockton, Amelia, qui est disparue. Et apparemment, Dan, qui enquête déjà sur la disparition de la caravane, a des doutes sur la sincérité des gens de la colonie. Ma jambe me fait toujours mal. Vous avez quelque chose contre la douleur ? Dès que vous n'aurez plus besoin des médicaments, il faudra arrêter d'en prendre, d'accord ? Et sinon, il n'y a pas de complications ? Je me remets plutôt bien. Au revoir, alors. Merci, Doc. Passez un agréable séjour. Pardon ? J'espère que Swanson ne vous a pas trop posé de problème. Si vous voulez mon avis, il prend son travail trop au sérieux. Swanson, c'est le mec de... Bienvenue. Qui est à l'accueil, tout qui nous a fait passer le test. Tout le monde ici m'appelle Madame Fitzgerald, mais vous pouvez m'appeler Penny, trésor. C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un d'amical. Si vous aimez ça, c'est votre jour de chance. Covenant est l'endroit le plus amical du Commonwealth. Vous verrez. Vous êtes là pour acheter quelque chose ? Je vais vous faire un bon prix. Alors, on va jouer le jeu, on va troquer. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Vous ne trouverez pas mieux ailleurs, niveau qualité. Je sais pas si ça la met dans de bonnes dispositions ou pas. On va... Je vais revoir ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a de légendaire, là, de spécial ? Chance de faire vaciller, ça c'est pas mal, mais je crois que j'en ai déjà un. Bon, le reste... J'ai déjà tellement plein de trucs que j'achète jamais rien. Ça, c'est un problème dans le jeu aussi. Hein. Les marchands sont useless, quoi, tellement vous lootez de choses. C'est ridicule. Charisme, intelligence, ouais, bon... Voilà... Épingle à cheveux, machin... On pourrait peut-être lui acheter des munitions. Non, on va lui acheter un truc con pour faire diversion. On va lui acheter une carotte. Voilà, parce que si j'achète des munitions, je passe pour un gros dur. Là, je passe pour un pecno. Ne baissez jamais votre garde. Si vous vous relâchez ne serait-ce qu'un instant, c'est là que tout partira en couille. Écoutez pas mon camarade. Il est un petit peu sur les dents. Penny. Vous êtes là pour acheter quelque chose ? Vous avez le temps de répondre à quelques questions ? Pour vous ? Certainement. Votre ville a l'air très agréable. Comment vous faites ? Oh, merci de l'avoir remarqué. La jante masculine dirait que la bonne vieille méthode de l'huile de coude permet à Covenant de rester le plus bel endroit du Commonwealth. Mais entre nous, je crois que notre sens du commerce n'y est pas étranger. Vous savez quelque chose sur une caravane qui a disparu ? Vous avez parlé à Monsieur Dan, vous. Je ne sais pas pourquoi il fait autant d'histoires. Il essaie juste de semer la zizanie, si vous voulez mon avis. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Certains sont simplement jaloux quand ils voient des gens qui ont une meilleure vie qu'eux. Et ils n'aimeraient rien tant que de les rabaisser à leur niveau. Et Dan pense que c'est lui qui aide les autres. Ce ne sont pas des gens comme lui qui feront du Commonwealth un endroit plus sûr où il fait bon vivre. Il devrait vous être reconnaissant de l'avoir accepté. Il préfère importuner les gens et les harceler de questions. Si le complexe a fait quelque chose à sa précieuse caravane, c'est qu'il y avait une bonne raison. Une raison qu'un homme comme lui ne... Et voilà que je recommence à divaguer sur des choses que je ne connais pas. Oh, oubliez donc cette histoire. Et le complexe aussi. Je dois partir. Ça veut rien dire, ça. Quelle tarte. C'est quelle gourde que je voulais dire. Bref. Donc vous voyez, les gens d'ici nous cachent quelque chose. Si vous avez besoin d'un médecin, dites-le moi. La gérante vient de faire une bourde en parlant d'un complexe. Vous avez entendu parler de quelque chose d'intéressant, docteur ? Si vous voulez des ragots, allez voir Penny. Moi, je préfère me contenter de soigner les gens. C'est ce que je sais le mieux faire. Pas aujourd'hui, merci. D'accord. Allez, sortons de là. Bien, bien, bien. Alors, continuons notre petite enquête. Pour l'instant, on interroge les gens et après, on fouillera un petit peu.
Le tout est de dénicher, en fait. Alors, normalement, je devrais pouvoir vous amener rapidement à l'endroit où je sais où c'est, hein, où se trouve la fille de Stockton, mais j'ai envie de jouer le jeu et de mener l'enquête. Ça fait plaisir de voir une nouvelle tête dans le coin. Jacob. J'espère que vous passez un bon séjour. Je peux vous poser quelques questions ? Je vous écoute. Cet endroit a presque l'air de dater d'avant-guerre. Comment vous faites ? Ça demande du travail, des tractations commerciales judicieuses, et le désir d'avoir une communauté saine. C'est un travail d'équipe. Vous savez quelque chose sur une caravane qui a disparu ? Vous voulez parler des gens de Stockton ? Comme je l'ai dit je ne sais combien de fois à Monsieur Dan, on n'a rien vu du tout. Ouais, bon alors là, je vais pas lui parler du complexe, sinon je suis un peu grillé. Je dois y aller. Bonne journée. Déjà maintenant, il sait que moi aussi, je pose des questions et que je cherche un petit peu à savoir des choses sur cette caravane qui a disparu, donc... Mais vous avez vu son visage, il s'est tout de suite fermé dès que j'en ai parlé. Et évidemment, il n'est pas sincère. Donc je vais encore interroger la fille à l'établi, là, et après... on va aller. Il me semble qu'on a les dernières coordonnées de. Ah bah, on les a pas. Il me semblait qu'on avait. Optionnel. Fouiller la caravane détruite pour trouver les indices. Ouais, c'est parce qu'elle n'était pas sélectionnée. Voilà, on a les dernières coordonnées de la caravane, on va aller voir ça. Ah oui, j'ai pas parlé au robot non plus. On va parler au robot. Une bonne limonade. Salut, Deezer. Moins de radiation, moins de fruits mutants, mais toujours le même goût inimitable. Goûtez la limonade de Deezer. Où est le piège ? Il n'y en a pas. Juste la possibilité de goûter la meilleure limonade de Covenant. C'est gratuit pour nos invités spéciaux. Je cherche une caravane perdue. Tu ne pourrais pas m'aider ? Vous savez ce qui serait fabuleux pour une caravane perdue ? La limonade de Deezer ! Elle a remporté le prix très convoité de meilleur poisson de Covenant. Le robot qui lâche pas l'affaire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette limonade ? La limonade de Deezer ne contient que de bons ingrédients. Ils sont au nombre de 4 et proviennent d'environnements ensoleillés et non irradiés avant d'être réunis dans un verre bien frais. Goûtez-la et vous verrez ! Satisfait ou remboursé ? Non, merci. Vous ne savez pas ce que vous ratez ! C'est marrant parce que j'ai l'impression que certains mouvements sont limite en 60 FPS. Alors que je dois complètement halluciner, hein, le jeu n'a pas augmenté son framerate depuis la dernière fois, à moins qu'il y ait eu un patch qui ait un peu amélioré ça, mais... Oh, salut ! Talia. Oh, j'ai entendu parler de vous. C'est vous qui venez d'arriver. Je fabrique des choses pour la boutique. Oh, je m'appelle Talia, au fait. Enchantée. Oui, ben, je le sais. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Je fabrique des fournitures médicales. Oh, et des armes aussi, des lunettes de visée, des tas d'autres choses. Mes produits sont en vente à la boutique de Penny. Vous allez vous plaire ici. Tout le monde est très gentil et serviable à Covenant. Oui, un peu trop, même. Dommage que le reste du Commonwealth ne soit pas comme ça. Je sais. Ce serait merveilleux si tout le monde s'entraidait, non ? N'hésitez pas à utiliser mes outils si vous en avez besoin. Et s'il vous faut quoi que ce soit, prévenez-moi. Ouais. Talia. Ah, vous revoilà. Il n'y a pas mieux que Covenant, hein ? Me revoilà, oui, j'ai pas bougé. J'ai quelques questions, si vous avez le temps. Si ça peut vous aider, certainement. Vous savez quelque chose sur la caravane de Stockton ? Non, désolé, elle n'est jamais venue ici. Je dois y aller. Oh, d'accord. Réponse négative immédiate, sans prendre le temps de la réflexion. Bien sûr, encore une fois, on nous cache quelque chose. Bref, on va aller voir cette caravane. Je vais y aller tout seul. Toi, mon petit Deacon, tu vas rester là ? Et tu vas observer, tiens. Mets-toi là. Allez voir ce que c'est. Ça marche.
Allez ! Vos désirs sont, sinon des ordres, mais plus vives recommandations. Non, je t'ai demandé de t'asseoir. Allez voir ça. Pose ton même cul. Même pas en rêve. Comment ça, même pas en rêve ? Jetez un œil. Je peux pas atteindre ça. Non mais tu rigoles, tu viens de le faire, là. Restez en position. Absolument. Et mon enthousiasme n'a strictement rien à voir avec l'envie de faire une pause pour m'en griller une. Ouais, tu l'as dit. Alors, on remet la tête de mascotte. Voilà, parce que là, on ressort. Hop. Je trouve que les couleurs sont meilleures aussi. Je dois complètement... je sais pas, j'ai des problèmes de vue aujourd'hui ou pas. C'est pourtant pas la HDR, le jeu est pas... Et pas compatible, enfin je pense pas. Enfin bon. Donc, oui, c'est dans cette direction. Bon, on va garder la tête de Nounours jusqu'à ce qu'on rentre, hein, parce qu'on va pas passer notre temps à la remettre et à l'enlever. Je garde un fusil sous la main au cas où. Je pense pas qu'on se fera agresser sur cette route. La caravane a été attaquée juste à côté de Covenant. Donc là, on a un artilleur. Alors lui, on se demande bien ce qu'il fout là. Est-ce que c'est les gens de Covenant qui ont engagé un mercenaire pour attaquer la caravane? Qu'est-ce que c'est que ça? La limonade de 10 heures, hein? La caravane s'est bien arrêtée à Covenant.